Chapitre 14. La saga du Smaland. Mardi 12 avril. Les oies sauvages avaient heureusement traversé la mer et étaient descendues dans le canton de Tjust, dans le nord du Smaland. Le canton de Tjust semble n'avoir pu décider s'il voulait être terre ou mer. Partout, des fjords s'enfoncent dans l'intérieur et découpent la terre en îles et en presqu'îles, en caps et en isthmes. La mer est une intruse à laquelle seules les collines et les montagnes ont pu résister. Les terres basses ont disparu sous l'eau. Les oies arrivèrent sur le soir. Le pays était beau, avec ses petites collines saintes de bras de mer scintillants. Nils pensa involontairement au Blekinge. C'était encore une province où la terre et la mer se rencontraient d'une manière douce et tranquille, se montrant l'une à l'autre leurs meilleures qualités. Les oies s'étaient abattues sur un îlot dénudé, au fond d'une baie profonde. Au premier coup d'œil jeté sur la rive, elles constatèrent que le printemps avait fait de notables progrès. Les grands et beaux arbres n'étaient pas encore vêtus de feuilles, mais le sol à leurs pieds était diapré d'anémones, de gagées et d'hépatiques. En voyant ce tapis de fleurs, les oies sauvages eurent peur de s'être trop attardées dans le midi. Aka décida sur le champ qu'on ne s'arrêterait pas en Smaland. Dès le lendemain matin, on continuerait vers le nord, à travers l'Ostrogothie. Ainsi, Nils ne verrait rien du Smaland. Il en conçut quelques dépits. Il n'avait entendu parler d'aucune autre province autant que du Smaland, et il avait espéré le voir de ses propres yeux. L'été précédent, gardeur d'oies chez un paysan des environs de Jordberga, il avait presque tous les jours rencontré deux enfants pauvres du Smaland, qui eux aussi menaient paître les oies. Il l'avait bien agacé avec leur Smaland. On aurait cependant tort de dire qu'Aza la gardeuse l'eût taquinée. Elle était bien trop sage pour ça. Mais elle avait un frère, le petit Mats, qui par contre était joliment taquin. « As-tu entendu raconter comment le Smaland et la Scanie ont été créés, gardeur d'oies ?» demandait-il. Et si Nils répondait négativement, il commençait tout de suite de raconter cette vieille plaisanterie. C'était au temps où le Seigneur créait le monde. Pendant qu'il était en plein travail, Saint-Pierre vint à passer. Il s'arrêta pour regarder et demander si c'était un travail difficile. « Ce n'est pas très facile, » répondit le Seigneur. Saint-Pierre resta un bon moment à regarder, puis, voyant avec quelle facilité le Seigneur disposait les terres, il eut envie d'essayer à son tour. « Peut-être as-tu besoin de te reposer un peu ?» proposa-t-il enfin. « Je pourrais continuer pendant ce temps-là. » Mais le Seigneur refusa. « Je crains, » dit-il, « que tu ne sois pas assez au courant de ce genre de travail. » Alors, Saint-Pierre se fâcha et déclara qu'il se croyait aussi capable de créer un pays que le Seigneur lui-même. Or, le Seigneur était en train de créer le Smaland. Il n'en avait pas encore fait la moitié, mais on voyait déjà que cela semblait devenir un pays admirablement fertile et beau. Notre Seigneur jugea difficile de repousser la demande de Saint-Pierre. Et, en outre, il pensait que nul ne pouvait gâter une œuvre si bien commencée. Il dit « Eh bien, si tu veux, nous allons voir qui de nous deux s'entend le mieux à cette sorte de besogne. Toi qui es un novice, tu continueras ceci. Moi, je créerai une nouvelle province. » Saint-Pierre accepta la proposition et ils se séparèrent pour travailler chacun de son côté. Le Seigneur se dirigea un peu plus vers le sud et se mit en devoir de créer la Scanie. Ce ne fut pas long. Dès qu'il eut fini, il demanda à Saint-Pierre où il en était et le pria de venir voir la nouvelle terre. « Moi, j'ai fini il y a longtemps, » dit Saint-Pierre, et sa voix révélait combien il était content de son œuvre. Lorsque Saint-Pierre vit la Scanie, il dut avouer qu'il n'y avait que du bien à en dire. C'était un pays fertile, facile à cultiver, avec de grandes plaines de tous côtés et peu ou presque pas de montagnes. Il était évident que le Seigneur avait voulu rendre le pays agréable aux hommes. « Oui, c'est un bon pays, » dit Saint-Pierre, « mais je crois que le mien le vaut bien. »« Allons le voir, » répartit le Seigneur.
Quand Saint-Pierre s'était mis à la besogne, la province était déjà achevée au nord et à l'est. Les parties méridionales et occidentales étaient donc l'œuvre de Saint-Pierre. En y arrivant, notre Seigneur s'arrêta net, tant il fut effrayé. « Comment ? Qu'as-tu fait, Saint-Pierre ? » Saint-Pierre regarda et demeura stupide. Il s'était dit que rien ne vaut pour la terre la chaleur. Aussi avait-il amassé et entassé des pierres et des rochers et maçonné un haut plateau pour approcher autant que possible du soleil. Sur cette masse de pierres, il avait enfin répandu une mince couche d'humus et avait cru que tout était parfait. Or, pendant qu'il était allé en Scanie, quelques fortes averses étaient survenues. Il n'en fallait pas davantage pour montrer ce que valait son travail. Quand le Seigneur vint voir le pays de Saint-Pierre, tout le terrain avait été emporté par la pluie. Le fond de granit perçait partout. Aux endroits les plus favorables, une couche de glaise et de lourds graviers couvraient le roc. Mais on voyait que la terre était trop maigre pour produire autre chose que des sapins, de la mousse et de la bruyère. L'eau ne manquait pas. Elle avait rempli toutes les crevasses. Partout, on voyait des lacs, des rivières, des ruisseaux, pour ne rien dire des marais et des étangs qui couvraient de vastes étendues. Le pire était que cette eau était mal répartie. Quelques contrées en possédaient en surabondance, d'autres en manquaient. Si bien que des champs immenses n'étaient que des landes arides où le sable et la poussière tourbillonnaient au moindre souffle. « Quelle était ton intention en créant un pays pareil ?» demanda le Seigneur. Saint-Pierre s'excusa. Il avait voulu construire un pays aussi élevé que possible pour qu'il eût beaucoup de soleil. « Mais il aura aussi à souffrir du froid et de la gelée nocturne, » répliqua le Seigneur, « car le froid vient du ciel lui aussi. J'ai bien peur que le peu qui poussera ici ne gèle. » Saint-Pierre n'avait point songé à cela. « Oui, ce sera un pays pauvre et exposé aux gelées, » conclut le Seigneur. « Il n'y a rien à y faire. » Le Seigneur fut très affligé, mais Saint-Pierre ne se laissa pas décourager. Il voulut même consoler le Seigneur. « Ne prends pas cela si à cœur, » dit-il. « Attends seulement que j'ai eu le temps de créer un peuple capable de cultiver les marais et de défricher les champs. » À bout de patience, le Seigneur s'écria. « Non, non, va en Scanie, dont j'ai fait un pays bon et facile à cultiver, et crée les Scaniens. Je veux créer moi-même le Smalandais. » Et notre Seigneur fit le Smalandais vif, débrouillard, gai, travailleur et capable, et content de peu, afin qu'il pût tirer sa subsistance de son pauvre pays. Ainsi finissait l'histoire du petit Mats. Si Niels Holgersson avait su se taire, il n'y aurait rien eu. Mais Niels ne pouvait s'empêcher de demander comment Saint-Pierre avait réussi à créer les Scaniens. « Qu'est-ce que tu en penses toi-même ? » répondait le petit Mats avec un air narquois. Niels se jetait incontinent sur lui. Mais Mats n'était qu'un tout petit garçon, et Asa, sa sœur, qui avait un an de plus que lui, accourait tout de suite à son secours. Elle était très douce, mais dès qu'on touchait à son frère, elle devenait comme une lionne. Niels Holgersson ne voulait pas se battre avec une gamine. Il leur tournait le dos, s'en allait, et ne les regardait même plus de la journée. Chapitre 15. Les corneilles. La cruche de grès. Dans le coin sud-ouest du Smaland s'étend un canton nommé Sønnerbo. Le pays est assez plat et uni. Quiconque le voit en hiver, lorsqu'il est couvert de neige, s'imagine que sous la neige s'étendent des champs labourés, des seigles verts et des prés de trèfles moissonnés. Mais lorsque la neige fond au commencement d'avril, ce qui est caché sous la neige apparaît. Ce ne sont que landes de sables arides, rochers nus et vastes marais. Il y a certes quelques champs, mais si maigres qu'on les remarque à peine. Il y a aussi de petites chaumières grises ou rouges, mais elles se dissimulent de préférence dans un bouquet de bouleaux, comme si elles craignaient de se montrer. À la frontière du canton et du Halland, il y a une lande de sable si vaste que d'un bout, on ne distingue pas l'autre bout. La bruyère y règne toute puissante, sauf sur une basse colline pierreuse qui traverse la région et où l'on retrouve des genévriers, des sorbiers,
et même quelques grands et élégants bouleaux. À l'époque où Nils Holgersson accompagnait les oies sauvages, on y voyait aussi une petite cabane entourée d'un lopin de terre défriché. Mais les gens qui y avaient vécu l'avaient abandonnée. La maisonnette restait vide et le champ inculte. En quittant leur cabane, les gens avaient clos la cheminée, les fenêtres et la porte. Mais ils avaient oublié qu'un carreau d'une des fenêtres était brisé. Le trou était bouché d'un chiffon. En quelques années, les pluies avaient fait pourrir le chiffon qui céda un jour sous le bec d'une corneille. En effet, la colline pierreuse du milieu de la lande n'était point aussi déserte qu'on aurait pu le croire. Elle était habitée par un peuple nombreux de corneilles. Les corneilles n'y restaient pas, bien entendu, toute l'année durant. En hiver, elles s'en allaient à l'étranger. En automne, elles visitaient tous les champs du Gotaland, l'un après l'autre, pour manger du blé. En été, elles se dispersaient et vivaient autour des fermes de Sønderbo, se nourrissant de baies, d'œufs et d'oisillons. Mais tous les printemps, elles revenaient dans la lande pour nicher et élever leurs petits. La corneille qui avait arraché le chiffon de la fenêtre était un vieux mâle, nommé Garm Plume Blanche, mais on ne l'appelait jamais que Fumle ou Drumle, ou encore Fumle Drumle, parce qu'il était maladroit, faisait toujours des sottises et prêtait à la raillerie. Fumle Drumle était plus grand et plus fort que toutes les autres corneilles, mais sa force ne lui servait de rien. Il était et demeurait un objet de risée. Le fait même qu'il appartenait à une très noble famille ne le protégeait pas. En bonne justice, il aurait dû être le chef de la bande, car depuis un temps immémorial, cette dignité avait toujours appartenu à l'aîné des Plumes Blanches. Mais dès avant la naissance de Fumle Drumle, le pouvoir avait échappé à sa famille. Et maintenant, une corneille cruelle et sauvage le détenait. Elle s'appelait la Rafale. Le changement de règne venait de ce que les corneilles avaient abandonné leur ancienne manière de vivre. Peut-être croit-on que toutes les corneilles vivent de la même façon? C'est une erreur. Il y a des peuples de corneilles qui mènent une vie honnête, c'est-à-dire qui ne mangent que des graines, des vers, des chenilles et des animaux déjà morts. Mais d'autres mènent une vie de brigandage, attaquant les jeunes levrots et les petits oiseaux et pillant tous les nids qu'ils peuvent trouver. Les vieux chefs de la famille des Plumes Blanches avaient été sévères et modérés. Tant qu'ils avaient conduit la bande, ils avaient forcé les corneilles à se conduire de façon à ne pas encourir le blâme des autres oiseaux. Mais les corneilles étaient nombreuses et la pauvreté était grande parmi elles. Elles s'insurgèrent contre les Plumes Blanches et confièrent le pouvoir à la Rafale, qui était le pire dénicheur de petits oiseaux et le plus méchant brigand qu'on pût voir. Après toutefois sa femme, la Bourrasque. Sous leur règne, les corneilles avaient inauguré un genre d'existence qui les faisait craindre et haïr, plus même que les éperviers et les grands-ducs. Fumle Drumle n'avait, bien entendu, rien à dire dans la bande. Toutes les corneilles s'accordaient à dire qu'il ne tenait pas de ses ancêtres et n'aurait jamais pu être un chef. Personne ne se serait d'ailleurs occupé de lui s'il n'avait toujours fait des sottises. D'aucuns disaient que c'était peut-être un bonheur pour lui d'être aussi gauche et si stupide. Autrement, la Rafale et sa femme n'auraient sans doute point gardé dans la bande un membre de l'ancienne famille des chefs. Maintenant, ils étaient assez gentils pour lui et l'emmenaient souvent dans leur chasse. Tout le monde pouvait alors voir combien ils étaient plus habiles et plus intrépides que lui. Aucune des corneilles ne se doutait que c'était Fumle Drumle qui avait arraché le chiffon de la fenêtre. Elles auraient été fort surprises de l'apprendre. Personne ne lui soupçonnait l'audace de s'approcher ainsi d'une demeure humaine. Lui-même n'en dit rien. Il avait ses raisons. La Rafale et la Bourrasque le traitaient toujours bien pendant le jour et en présence des autres corneilles. Mais une nuit sombre, après que toutes les autres corneilles s'étaient déjà perchées pour dormir, il avait été attaqué par deux corneilles et à demi assommé. Après cet attentat, il avait pris l'habitude, dès que venait l'obscurité, d'abandonner son ancienne place et de se réfugier dans la cabane vide. Or, un après-midi de printemps, les corneilles ayant fini d'installer leur nid firent une étrange découverte. La Rafale et la Bourrasque
et deux autres corneilles étaient descendues au fond d'un grand trou dans un coin de la lande. Ce n'était qu'une carrière de sable, mais les corneilles ne comprenaient pas pourquoi les hommes l'avaient creusée. Curieuses, elles y venaient sans cesse, tournaient et retournaient chaque grain de sable. Tout à coup, une avalanche de gravier se détacha et roula sur elles. Parmi les pierres et les touffes de bruyères écroulées, elles trouvèrent une grande cruche de terre, fermée d'un couvercle de bois. Elles voulurent savoir ce que ce vase contenait, mais essayèrent vainement d'ouvrir le couvercle ou de casser la cruche à coups de bec. Interdite, elles contemplaient la cruche, lorsqu'une voix dit « Voulez-vous que je vous aide, Corneille ?» Elles levèrent la tête. Du bord du trou, un renard les regardait. C'était un des renards les plus beaux de couleur et de taille qu'elles eussent jamais vu. Son seul défaut était qu'il avait perdu une oreille. « Si tu as envie de nous rendre service, nous ne refuserons pas, » dit la rafale, en s'envolant rapidement avec tous ses compagnons. Le renard sauta au fond et se mit à mordre la cruche et à tirer le couvercle pour l'arracher. Mais il ne réussit pas non plus à l'ouvrir. « Peux-tu deviner ce qu'il y a dedans ?» demanda la rafale. Le renard fit rouler la cruche et écouta. « Ce ne peut être que des pièces d'argent, » dit-il. C'était plus que les corneilles n'avaient osé espérer. « Crois-tu vraiment que c'est de l'argent ?» demandèrent-elles, les yeux agrandis de convoitise. Car, chose étrange, il n'est rien au monde que les corneilles aiment autant que l'argent. « Écoutez comme elle sonne !» dit le renard, en faisant de nouveau rouler la cruche. « Je ne sais malheureusement pas comment les avoir. Ah, »« Non, il n'y a pas moyen. » soupirèrent les corneilles. Le renard se frottait la tête de la patte gauche et réfléchissait. Si, à l'aide des corneilles, il avait pu se rendre maître du mauvais garnement qui volait avec les oies sauvages et qui lui avait toujours échappé. « Je sais bien qui pourrait vous ouvrir la cruche, » prononça-t-il enfin. « Dis-nous son nom, dis-le !» criaient les corneilles. Et dans leur ardeur, elles volèrent au fond du trou. « Je ne vous le dirai pas. « À moins que vous n'acceptiez mes conditions. » leur fut-il répondu. Le renard parla alors aux corneilles de pousser, affirmant qu'il serait capable d'ouvrir la cruche si elle pouvait le faire venir. En échange de son bon conseil, le renard exigeait que les corneilles lui livrassent pousser, après qu'il leur aurait rendu ce service. Les corneilles, qui n'avaient aucune raison d'épargner pousser, acceptèrent la proposition. Mais le plus difficile n'était pas fait. Il fallait trouver les oies sauvages et pousser. La rafale se mit en route lui-même, accompagné de 50 corneilles. Il promettait d'être bientôt de retour. Mais les journées passèrent sans que les corneilles le vissent revenir. Enlevé par les corneilles. Mercredi 13 avril. Les oies sauvages s'étaient réveillées dès l'aube pour manger un peu, avant d'entreprendre la traversée de l'Ostrogothie. L'îlot où elles avaient dormi était étroit et nu, mais dans l'eau qui le baignait, il y avait assez de plantes pour qu'elles puissent se rassasier. Le gamin était moins heureux, il avait beau chercher, il ne pouvait rien découvrir de mangeable. Affamé, transi par le froid du matin, il regardait autour de lui, lorsque ses yeux rencontrèrent deux écureuils qui jouaient dans les arbres sur une pointe de terre en face de l'île. Pensant que les écureuils n'avaient peut-être pas épuisé leurs provisions d'hiver, Nils pria le jar de le transporter à terre pour leur demander quelques noisettes. Le jar blanc obéit bien vite, mais par malheur, les écureuils étaient si occupés de leur jeu qu'ils n'écoutèrent pas le gamin. Sautant d'arbre en arbre, ils s'enfoncèrent de plus en plus dans le bois. Nils les suivit et perdit bientôt de vue le jar qui était resté au bord de l'eau. Poussé avançait péniblement entre des plants d'anémones blanches qui lui allaient jusqu'au menton lorsque tout à coup, il se sentit saisir par derrière. Quelqu'un essayait de le soulever. Il se retourna et vit une corneille. La corneille l'avait attrapée par le col de sa chemise. Nils se débattit, mais une seconde corneille arriva à la rescousse, l'attrapa par un de ses bas et le fit culbuter.
Si Nils Holgersson avait immédiatement appelé au secours, le jar blanc aurait certes pu l'arracher aux corneilles. Mais le gamin pensa qu'il était de taille à se débarrasser seul des deux corneilles. Il donnait des coups de pied, frappait, mais les corneilles ne lâchèrent point prise et réussirent à s'élever en l'air avec lui. Elles s'y prirent si imprudemment que la tête de Nils cogna contre un arbre. Sous la violence du coup, sa vue se troubla et il perdit connaissance. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était loin de la terre. Il revint lentement à lui et d'abord ne comprit ni où il était, ni ce qui s'était passé. Au-dessous de lui s'étendait comme un gros tapis laineux, tissé de brun et de vert, et qui paraissait déchiré et abîmé. Sous les déchirures et les trous brillait du vert poli. On eût dit que le tapis était étendu sur une glace. Puis il vit le soleil monter dans le ciel. Alors, la glace qu'on apercevait dans les accros du tapis se mit à scintiller, rouge et or. C'était magnifique. À ce moment, les corneilles s'abaissèrent. Nils se rendit compte que le grand tapis était la terre, couverte de forêts, et que les trous et les déchirures étaient des lacs et des marais. Il se posait une foule de questions. Comment n'était-il pas sur le dos du jar blanc? Pourquoi tout un essaim de corneilles volait-elle autour de lui? Pourquoi enfin était-il secoué et ballotté, à en être disloqué? Tout à coup, il comprit. Les corneilles l'avaient enlevé. Le jar blanc l'attendait sur la rive et les oies allaient ce jour même partir pour l'Ostrogothie. Quant à lui, on le menait vers le sud-ouest. Le soleil était derrière lui. Les corneilles n'attachèrent aucune importance à ses prières. Elles volaient tout droit, à toute vitesse. Tout à coup, l'une d'elles frappa brusquement l'air de ses ailes en signe de péril. Elles descendirent vite sur une forêt de sapins, s'enfoncèrent entre les branches enchevêtrées et déposèrent enfin Nils par terre, sous un arbre touffu. Un faucon ne l'y eut point découvert. 50 corneilles entouraient le gamin, tournant vers lui des becs menaçants. « Maintenant, vous me direz peut-être, corneille, pourquoi vous m'avez enlevé ?» dit-il. À peine le laissa-t-on achever sa question, une grande corneille siffla. « Tais-toi, sinon je te crève les yeux !» Nils dut obéir, car elle semblait bien résolue à mettre sa menace à exécution. Il restait donc assis, à fixer les corneilles, tandis que les corneilles le fixaient. Plus il les regardait, moins il les aimait. Leur robe de plume était terriblement poussiéreuse et mal soignée. Elles semblaient ne connaître ni bain ni huilage. Leurs pattes et leurs griffes étaient enduites de boue desséchée. Au coin de leur bec, il y avait des restes de nourriture. C'étaient des oiseaux bien différents des oies sauvages. Il parut à Nils qu'elles avaient l'air cruelles, avides, farouches et hardies comme des scélérats ou des vagabonds. « Je suis tombé au pouvoir d'une bande de brigands !» pensa-t-il. À ce moment, il entendit au-dessus de sa tête le cri d'appel des oies sauvages. « Où es-tu ? Je suis ici ! Où es-tu ? Je suis ici !» Il comprit que ses compagnons de voyage le cherchaient, mais n'eut pas le temps de répondre. La grande corneille, qui paraissait le chef de la bande, siffla à son oreille. « Songe à tes yeux !» Nils ne put que se taire. Les oies sauvages ne pouvaient savoir qu'il était si près d'elles. Après encore deux ou trois appels, leurs cris se perdirent au loin. « Voilà, Nils Holgersson, » se dit le gamin. « Il faudra maintenant te débrouiller tout seul. Il s'agit de montrer si tu as appris quelque chose pendant ces semaines de vie sauvage. » Au bout d'un instant, les corneilles firent mine de se remettre en route. Mais comme elles paraissaient avoir l'intention de le porter à deux, l'une le tenant par le col de la chemise, l'autre par l'un de ses bas, le gamin s'écria. « Il n'y a donc parmi vous personne d'assez fort pour me prendre sur son dos? Vous m'avez déjà si maltraité que je me sens tout brisé. Prenez-moi à califourchon, je ne me jetterai pas à terre, je vous le promets. » « Si tu crois que nous nous soucions de ta commodité, tu te trompes, » dit le chef. Mais à ce moment, un gros lourdeau hérissé avec une plume blanche à l'aile sortit du groupe et dit « N'est-il pas préférable pour nous tous, la rafale, que poussée arrive à destination intacte?
J'essaierai de le prendre sur mon dos. Si tu peux, fume le drumle. Je ne demande pas mieux, dit le chef. Mais ne le laisse pas tomber. C'était autant de gagner. Et Neil se sentit tout content. Parce qu'on a été volé par les corneilles, il n'y a pas de quoi perdre courage, songeait-il. Je saurais bien venir à bout de ces misérables. Les corneilles continuaient toujours dans la même direction, vers le sud-ouest. Il faisait une belle matinée, calme et ensoleillée. Partout, les oiseaux chantaient leurs chansons de noces. Dans une haute forêt sombre, le merle lui-même, les ailes pendantes, le cou gonflé, s'était posé au sommet d'un sapin et sifflait. « Que tu es belle! Que tu es belle! Que tu es belle! Aucune autre n'est aussi belle! Aussi belle! Aucune autre n'est aussi belle !» Sa strophe finie, il la recommençait aussitôt. Nils, passant à ce moment, entendit deux ou trois fois la chanson. Il mit ses mains encornées devant sa bouche et lança comme un appel. « Nous avons déjà entendu! Nous avons déjà entendu !»« Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui se moque de moi ?» cria le merle. « C'est volé par les corneilles qui se moquent de ta chanson !» répondit le gamin. Aussitôt, le chef des corneilles se tourna vers lui. « Garde tes yeux poussés !» Mais Nils pensa. « Tant pis, je te montrerai que je ne te crains pas. » On pénétrait toujours plus avant dans le pays. Partout, il y avait des forêts et des lacs. Dans un petit bois de bouleau, une colombe sauvage s'était posée sur une branche nue. Devant elle se tenait un ramier. Il gonflait ses plumes, faisait onduler son cou, abaissait et relevait son corps. Les plumes de sa gorge bruissaient contre les rameaux. Il roucoulait. « C'est toi, toi, toi qui es la plus belle de la forêt. Aucune autre n'est aussi belle que toi, 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 toi !» Le gamin, qui passait là-haut dans l'espace, ne put se taire. « Ne le crois pas ! Ne le crois pas ! » cria-t-il. « Qui est-ce qui me calomnie ?» roucoulait le ramier, en essayant d'apercevoir celui qui avait parlé. « C'est pris par les corneilles qui te calomnie !» répondit le gamin. De nouveau, la rafale le regarda d'un œil menaçant et lui ordonna de se taire. Mais Fume le Drumle intervint. « Laisse-le donc ! Les petits oiseaux vont croire que nous autres corneilles sommes devenus drôles et spirituels. » « Ils ne sont pas si bêtes !» dit le chef. Mais cette idée lui avait probablement plu, car il ne réprimanda plus le gamin. On volait le plus souvent au-dessus de forêts et de petits bois. Mais parfois, on passait au-dessus de villages, d'églises et de petites maisons bâties à la lisière d'un bois. On aperçut un beau vieux domaine. La maison, adossée à la forêt et précédée d'un lac, était peinte en rouge. Elle avait un toit à pans coupés, d'énormes érables entouraient la cour et le jardin était rempli de groseilliers touffus. Un sansonnet s'était perché sur la girouette même et chantait de toutes ses forces pour que la femelle qui couvait les œufs dans un poirier pût entendre chaque note. « Nous avons le beau petits œufs !» chantait le sansonnet. « Nous avons quatre beaux petits œufs ronds !»« Nous avons plein le nid de superbes œufs !» Le sansonnet répétait sa chanson pour la millième fois quand les corneilles passèrent. Nils mit ses mains encornées devant sa bouche et cria « La pie les prendra ! La pie les prendra !» « Qui est-ce qui veut m'effrayer ?» demanda le sansonnet en battant des ailes avec inquiétude. « C'est ravi par les corneilles qui t'effraient !» cria le gamin. Cette fois, le chef des corneilles n'essaya plus de le faire taire. Au contraire, lui et toute la bande croissaient de plaisir tant ils étaient amusés. Plus ils pénétraient dans l'intérieur du pays, plus les lacs devenaient grands et riches en îles et en capes. Sur une grève, le canard faisait des grâces devant la canne. « Je te serai fidèle toute ma vie. Je te serai fidèle toute ma vie. »« Pas même jusqu'à la fin de l'été !» cria le gamin en passant. « Qui es-tu, toi ?» demanda le canard. « Je m'appelle Prisonnier des Corneilles !» cria Nils. Vers midi, les corneilles s'abattirent dans un pâturage pour manger. Aucune d'elles ne songea à rien donner au gamin. Tout à coup, Fume le Drumle s'approcha du chef et lui présenta une branche d'églantine où restaient encore quelques baies rouges.
C'est pour toi, la rafale, dit-il. La rafale renifla avec mépris. Tu crois que je veux manger de vieux fruits secs, dit-il. Je pensais t'être agréable, répartit Fume le Drumle, désappointé en jetant la branche. Elle tomba droit devant Nils, qui s'en empara pour se rassasier. Quand les corneilles eurent mangé suffisamment, elles se mirent à bavarder. « À quoi penses-tu, la rafale? Tu es muet aujourd'hui, » dit l'une. « Je pense à une poule qui vécut jadis dans cette contrée. Elle aimait beaucoup sa maîtresse et pour lui faire plaisir, pondit une couvée d'œufs qu'elle cacha sous le plancher de la grange. La maîtresse s'étonnait naturellement de l'absence de la poule. Elle la cherchait en vain. Peux-tu deviner, Lombec, qui la trouva, elle et les œufs ?»« Je pense que oui, la rafale. » D'ailleurs, j'ai une histoire assez analogue à vous raconter à mon tour. Vous rappelez-vous la grosse chatte noire du presbytère de Inéride? Elle était mécontente de ses maîtres qui lui enlevaient toujours ses petits nouveau-nés et les noyaient. Une fois, elle réussit à les cacher. C'était dans une meule de foin, en plein champ. Elle était enchantée de ces petits-là. Mais je crois que j'en eus plus d'agrément qu'elle. Toutes les corneilles avaient des histoires à raconter. Elles s'excitaient et parlaient toutes à la fois. « Voler des œufs et des petits, il n'y a pas là de quoi se vanter. Ce n'est pas malin, » dit l'une. « Moi, j'ai une fois chassé un levreau qui était presque un lièvre. Je le poursuivais de buisson en buisson. » Une autre corneille lui coupa la parole. « C'est amusant de faire enrager les poules et les chattes. Mais il est plus admirable qu'une corneille puisse donner du souci à un homme. J'ai volé une fois une cuillère d'argent. » Nils les interrompit tout à coup, indigné. Il en avait assez entendu. « Taisez-vous, corneille !» s'écria-t-il. « Vous n'avez pas honte? J'ai vécu pendant 3 semaines parmi les oies sauvages et je n'y ai vu faire et entendu dire que du bien. Vous devez avoir un mauvais chef. S'il vous permet de piller et de tuer ainsi. D'ailleurs, vous feriez mieux de commencer une nouvelle vie, car je puis vous dire que les hommes, las de vos méfaits, vont essayer par tous les moyens de vous exterminer. » À ces mots, la rafale et ses compagnons entrèrent dans une telle rage qu'ils allaient se jeter sur le gamin et le déchirer. Mais Fume le Drumle, riant et croissant, se posa devant lui. « Non, non, non ! cria-t-il, comme épouvanté. « Que dirait la bourrasque si vous tuez Poussé avant qu'il nous ait rendu service ?»« Il n'y a que toi, Fume le Dumle, pour avoir peur des femmes, » répondit la rafale. Mais il laissa pourtant Poussé tranquille. Bientôt après, les corneilles se remirent en route. Jusqu'ici, il avait semblé à Nils que le Smaland n'était point le pays désert et pauvre qu'il avait entendu décrire. Il y avait certes beaucoup de forêts, et de crêtes de montagnes, mais autour des rivières et des lacs s'étendaient des champs cultivés. Jusqu'ici, le pays n'était pas désert. Mais maintenant, les villages et les maisons devenaient plus rares. Bientôt, il ne vit que des marais, des landes et des collines couvertes de genévriers. Le soleil s'était couché, mais il faisait encore grand jour, lorsque les corneilles atteignirent leurs grandes landes. La rafale expédia en avant une corneille pour annoncer le succès de l'entreprise et dès que la nouvelle fut connue, la bourrasque et plusieurs centaines de corneilles volèrent au-devant de Poussé. Au milieu des croissements assourdissants que faisaient entendre les deux bandes, Fume le Drumle glissa à Nils. « Tu as été si gai et si courageux pendant ce voyage que je t'aime bien. » Mais maintenant, les villages et les maisons devenaient plus rares. Bientôt, il ne vit que des marais, des landes et des collines couvertes de genévriers. Le soleil s'était couché, mais il faisait encore grand jour, lorsque les corneilles atteignirent leurs grandes landes. La rafale expédia en avant une corneille pour annoncer le succès de l'entreprise, et dès que la nouvelle fut connue, la bourrasque et plusieurs centaines de corneilles volèrent au-devant du Poussé. Au milieu des croissements assourdissants que faisaient entendre les deux bandes, Fume le Drumle glissa à Nils. Tu as été si gai et si courageux pendant ce voyage que je t'aime bien. Aussi te donnerai-je un conseil. Dès que nous arriverons, on te priera d'exécuter un travail qui peut-être te sera facile. Mais n'aie garde de le faire.
Quelques minutes plus tard, Fumle Drumle déposa Nils au fond du grand trou. Le gamin se laissa tomber par terre comme épuisé de fatigue. Un si grand nombre de corneilles voletaient autour de lui que l'air bruissait comme une tempête. Mais Nils ne leva pas la tête. « Poussez !» dit la rafale. « Lève-toi ! Tu vas nous aider à faire quelque chose qui te sera très facile. » Mais Nils ne bougea pas. Il fit semblant de dormir. Alors, la rafale le saisit par le bras et le traîna sur le sable vers une cruche de terre de modèle ancien, placée au milieu du trou. « Lève-toi, poussée, » dit-il, « et ouvre cette cruche. »« Laisse-moi dormir, » répondit le gamin. « Je suis trop fatigué pour rien faire ce soir. Attends à demain. »« Ouvre la cruche !» cria la rafale en le secouant. Le gamin se leva et examina la cruche. « Comment moi, pauvre enfant, pourrais-je ouvrir une cruche pareille ?» dit-il. « Elle est plus grande que moi. »« Ouvre-la !» ordonna encore une fois la rafale. « Ouvre-la, si tu tiens à la vie !» Le gamin se leva, s'approcha, comme en chancelant de la cruche, tâta le couvercle et laissa tomber ses bras. « D'habitude, je ne suis pas aussi faible, » dit-il. « Si vous me laissiez dormir jusqu'à demain, je crois bien que j'en viendrai à bout. » Mais la rafale était impatient. Il s'élança vers le gamin et lui donna un coup de bec à la jambe. Souffrir un pareil traitement de la part d'une corneille, c'en était trop. Le gamin se dégagea brusquement, bondit à quelques pas en arrière, tira son couteau et le tint droit devant lui. « Prends garde !» cria-t-il à la rafale. Celui-ci était si aveuglé par la colère qu'il ne fit point attention au couteau. Il se jeta sur la pointe, qui lui entra dans l'œil et pénétra jusqu'au cerveau. Nils retira rapidement son arme, mais la rafale battit des ailes et tomba mort. « La rafale est mort! L'étranger a tué notre chef !» s'exclamaient les corneilles. Et un vacarme terrible s'ensuivit. Quelques-unes gémissaient, d'autres criaient vengeance, toutes coururent et voletèrent vers le gamin. Fumle Drumle en tête. Mais comme toujours, celui-ci fut gauche et maladroit. Il volait au-dessus du gamin en battant des ailes et ne faisait qu'empêcher les autres d'approcher et de le tuer à coups de bec. Nils comprit le danger et regarda désespérément autour de lui pour trouver un refuge. Il lui paraissait impossible d'échapper aux corneilles, lorsque tout à coup, il aperçut la cruche. Il saisit violemment le couvercle, le releva, et sauta dans la cruche pour se cacher. C'était une mauvaise cachette, car elle était remplie jusqu'au bord de petites monnaies d'argent. Pas moyen de s'y enfoncer. Nils se baissa et se mit à jeter l'argent. Les corneilles l'avaient entouré en un essaim épais, mais lorsqu'il commença à jeter l'argent, elles oublièrent leur soif de vengeance pour ramasser les petites pièces. Le gamin lançait l'argent par poignées et toutes les corneilles, la bourrasque elle-même, se battaient pour les attraper. Dès qu'une corneille s'était emparée d'une monnaie, elle s'envolait en toute hâte pour cacher son trésor. Nils n'osa lever la tête que lorsqu'il eut jeté toutes les pièces d'argent. Il n'y avait plus dans le trou qu'une seule corneille. C'était Fumle Drumle, avec sa plume blanche à l'aile, celle qui avait porté le poussé. Tu m'as rendu un service plus grand que tu ne peux croire, poussé, dit-il d'une voix toute changée. Je te sauverai la vie. Grimpe sur mon dos et je te conduirai dans une cachette où tu seras en sécurité pour cette nuit. Demain, je m'arrangerai pour te ramener parmi les oies sauvages. La cabane. Jeudi 14 avril. Le lendemain matin, le gamin s'éveilla couché sur un lit. Se trouvant entre quatre murs, sous un toit, il crut d'abord qu'il était à la maison. « Je me demande si mère ne viendra pas bientôt m'apporter le café, » murmura-t-il. Puis tout à coup, il se rappela qu'il était dans une maison abandonnée, où Fumle Drumle, à la plume blanche, l'avait transporté la veille au soir. Comme il était encore tout meurtri, il trouva délicieux de se reposer encore un peu, en attendant Fumle Drumle, qui avait promis de venir le retrouver. Devant le lit pendaient des rideaux de cotonnade à carreaux. Il les écarta pour regarder la pièce. Il se rendit immédiatement compte qu'il n'avait jamais vu de maison construite comme celle-là. Les murs se composaient de quelques rangées de poutres,
puis commençait le toit. Il n'y avait point de plafond dans la pièce et l'on pouvait voir jusqu'au faîte. Toute la maison était si petite qu'elle semblait faite pour des êtres comme lui, plutôt que pour des hommes. Seul l'âtre et le four étaient grands, les plus grands que Nils eût jamais vus. Il n'y avait presque pas de meubles mobiles dans la cabane. La banquette sur un des longs côtés et la table sous la fenêtre tenaient au mur. De même, le lit où il était couché et le placard peint en couleurs vives. Nils se demandait qui était le propriétaire de la maison et pourquoi elle était abandonnée. Il semblait d'ailleurs que les gens qui l'avaient habitée avaient pensé revenir. La cafetière et la marmite étaient restées sur l'âtre et dans le coin, il y avait du petit bois. Le fourgon et la pelle à enfourner le pain se dressaient dans un autre coin. Le rouet était posé sur un banc. Au-dessus de la fenêtre, sur la petite étagère, se trouvaient des paquets de lin et d'étoupe, quelques écheveaux de laine, une chandelle et un paquet d'allumettes. Certes, les gens avaient pensé y revenir. Ils avaient laissé de la literie dans le lit et autour des murs couraient de longues bandes d'étoffe où étaient peints trois hommes à cheval, nommés Gaspard, Melchior et Balthazar. Le groupe des trois hommes se répétait tout le long de la bande. Ils chevauchaient autour de toute la pièce et leur cavalcade se poursuivait même jusque sur les poutres du toit. Mais là-haut, le gamin aperçut tout à coup quelque chose qui le fit bondir hors du lit. C'était quelques galettes de pain sec qui étaient restées enfilées sur le bâton posé à cet effet entre les poutres. Elles avaient certes l'air bien vieilles et moisies, mais du pain, c'est toujours du pain. Il les frappa avec le fourgon et réussit à faire tomber quelques morceaux. Il mangea et remplit même son sac. C'est incroyable comme le pain est bon. Il chercha encore s'il n'y avait pas d'autre chose qui pourrait lui être utile. « Je peux bien prendre ce dont j'ai besoin, puisque personne ne semble en vouloir », se dit-il. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses à prendre. La plupart des objets étaient trop gros et trop lourds à emporter. Il ne put s'emparer que de quelques allumettes. Il grimpa sur la table et de là, à l'aide du rideau, sur le rayon au-dessus de la fenêtre. Pendant qu'il était en train de mettre les allumettes dans son sac, la corneille à la plume blanche entra par la fenêtre. « Me voici enfin !» dit-elle en se posant sur la table. « Je n'ai pu venir plus tôt, car on a aujourd'hui élu un chef pour succéder à la rafale. »« Qui a-t-on élu ?» demanda Nils. « On en a pris un qui ne permettra pas le brigandage et le vol. On a choisi Garme Plume Blanche, appelé aussi Fumle Drumle, répondit l'autre, en se redressant d'un air majestueux. « C'est un bon choix !» dit Nils en le félicitant. À ce moment, le gamin entendit sous la fenêtre une voix qu'il crut reconnaître. « Est-ce là qu'il se trouve ?» demanda Smir le renard. « Oui, c'est là qu'il est caché !» répondit une voix de corneille. « Prends garde, poussez !» s'écria Garm. « La bourrasque est là, à la fenêtre, avec le renard qui veut te dévorer !» En effet, Smir venait de bondir contre la fenêtre. Le vieux bois pourri céda et Smir apparut. Garm, plume blanche, n'eut pas le temps de se sauver. Smir le tua net. Puis il sauta à terre et regarda autour de lui pour trouver le gamin. Celui-ci essaya de se cacher derrière un paquet d'étoupes, mais Smir l'avait déjà aperçu et se ramassait pour prendre son élan. La maison était si basse et si étroite que Nils vit bien que le renard n'aurait pas de peine à l'attraper. Mais il n'était point sans défense. Vivement, il frotta une allumette, l'approcha de l'étoupe, qui instantanément s'enflamma et qu'il jeta sur le renard. Affolé de terreur, celui-ci bondit hors de la cabane. Malheureusement, pour échapper à un danger, Nils s'était jeté dans un autre. L'étoupe enflammée avait mis le feu au rideau du lit. Nils sauta à terre, s'efforça d'étouffer le feu. Il était trop tard. Les rideaux flambaient déjà. La cabane se remplissait de fumée et Smir le renard, qui était resté dehors sous la fenêtre, se rendait compte de la situation. « Eh bien, poussez !» cria-t-il. « Qu'est-ce que tu choisis ? Te laisser rôtir ou sortir me rejoindre ? J'aurais certes préféré te manger, mais de quelque façon que tu meurs, je n'en suis pas moins content. » Nils crut bien que le renard allait être satisfait.
car le feu se propageait avec une rapidité effrayante. Le lit brûlait déjà, et le long des bandes de toile peintes, les flammes couraient de cavalier en cavalier. Nils avait grimpé dans l'âtre lorsqu'il entendit tout à coup une clé tourner doucement dans la serrure. Ce devait être des hommes. Dans le péril où il était, il n'eut point peur, mais se réjouit. Il se précipita vers la sortie et toucha déjà au seuil lorsque la porte s'ouvrit. Il vit devant lui deux enfants. Il ne se donna pas la peine de les regarder, mais s'élança dehors. Il n'osa pas courir bien loin. Smir le renard le guettait certainement. Il fallait donc se tenir près des enfants. Il se retourna, mais à peine les eut-il vus qu'il poussa un cri et courut vers eux. « Bonjour, Asa, gardeuse d'oie. Bonjour, petit Mats !» En voyant les enfants, Nils avait complètement oublié où il se trouvait. Les corneilles, les maisons incendiées, les animaux parlants, tout disparut de son souvenir. Il était sur un chaume, à Vemmenhög, et gardait un troupeau d'oies. Dans le champ voisin, les deux petits Smalandais surveillaient leur troupeau. Aussitôt, il grimpa sur le mur de pierre sèche et les héla. « Bonjour, Asa, gardeuse d'oie. Bonjour, petit Mats !» Mais, en voyant ce petit bout d'homme qui venait à eux, la main tendue, les deux enfants se prirent par la main, reculèrent de quelques pas et parurent terrifiés. Devant leur effroi, Nils se réveilla de son rêve et se rappela qui il était. Rien de plus terrible ne pouvait lui arriver que d'être vu par ses enfants sous l'aspect d'un tombe. La honte et la douleur de n'être plus un homme l'assaillirent. Il se retourna et s'enfuit, sans savoir où il allait. Mais en arrivant dans la lande, le gamin fit une bonne rencontre. Parmi la bruyère, il entrevoyait quelque chose de blanc. Le jar, accompagné de fines devettes, venant vers lui. Voyant Nils accourir avec cette précipitation, le jar crut qu'il était poursuivi. Aussi le saisit-il vivement, le jeta sur son dos et l'emporta rapidement dans les airs. Chapitre 16. La vieille paysanne. Jeudi 14 avril. Trois voyageurs fatigués étaient dehors très tard dans la soirée et cherchaient un gîte pour la nuit. Ils traversaient une partie pauvre et déserte du Smaland septentrional. Et certes, ils auraient dû trouver un lieu de repos à leur convenance, mais ils n'étaient pas de ces sybarites douillets qui exigent des lits confortables et des chambres bien closes. Si, parmi ces longues crêtes de montagne, il y avait un pic assez escarpé pour qu'un renard ne pût l'escalader, nous y serions bien pour passer la nuit, disait l'un. Si un seul de ces grands marais avait dégelé assez pour qu'un renard n'osât s'y risquer, ce serait un très bon refuge, dit le deuxième. Si la glace d'un des lacs que nous traversons s'était détachée de la rive, de sorte qu'un renard ne pût l'atteindre, nous aurions trouvé ce qu'il nous faut, dit le troisième. Pour comble de malheur, dès que le soleil fut couché, deux des voyageurs eurent tant de mal à lutter contre le sommeil qu'ils manquaient à chaque instant de tomber à terre. Le troisième, qui pouvait se tenir éveillé, s'inquiétait de plus en plus à mesure que la nuit approchait. « Quel malheur, pensait-il, que nous soyons arrivés dans un pays où les lacs et les marais sont encore gelés et où le renard peut passer partout. Ailleurs, les glaces sont déjà fondues, mais nous voici dans le Haut-Smaland et le printemps n'est pas encore venu. Comment trouver un bon abri ? Si je ne trouve rien, Smir sera sur nous avant le matin. » Il essaya de percer l'obscurité, mais nulle part il ne vit de gîte ou des cendres. Il faisait un soir sombre et triste avec du vent et une pluie fine. Les voyageurs sentaient à chaque instant croître leur malaise et leur frayeur. Enfin, sur le tard, quand déjà il n'y avait plus sous le soleil une seule raie de lumière, ils arrivèrent à une ferme solitaire, très éloignée de toutes les autres fermes. Outre qu'elle était isolée, elle semblait inhabitée. Aucune fumée ne montait de la cheminée. Les fenêtres n'étaient pas éclairées et personne ne remuait dans la cour. Lorsque celui d'entre les trois qui pouvait se tenir éveillé aperçut la maison, il pensa.
Arrive que pourra. Il faut que nous descendions ici. Nous ne trouverons guère mieux. » Ils se trouvèrent bientôt dans la cour. Deux des voyageurs s'endormirent dès qu'ils purent s'arrêter. Mais le troisième cherchait des yeux un refuge. Ce n'était pas une petite ferme. Outre le corps de logis, l'écurie et l'étable, il y avait de vastes granges, des aires, des hangars et des magasins. Mais tout avait l'air pauvre et ruineux. Les murs des maisons, gris, rongés de lichen, penchaient, comme prêts à s'écrouler. Les toits montraient des trous béants et les portes pendaient de travers sur des gonds brisés. Il était évident que depuis des années, personne n'enfonçait plus un clou dans les murs pour tenir ces constructions en état. Cependant, le voyageur qui demeurait éveillé avait calculé où était l'étable. Il secoua ses camarades et les y conduisit. La porte n'était fermée qu'au loquet. À l'aide d'une gaule, il parvint à l'ouvrir. Déjà, il poussait un soupir de soulagement. Mais lorsque le battant tourna avec un grincement aigu, une vache beugla dans le fond de l'étable. « Tu viens donc enfin, maîtresse ? » dit-elle. « Je pensais que tu ne comptais pas me donner à manger ce soir. » Les trois voyageurs s'arrêtèrent net, en voyant que l'étable n'était pas vide, mais en se rendant compte qu'il n'y avait là qu'une seule vache et trois ou quatre poules, ils reprirent courage. « Nous sommes trois pauvres voyageurs qui désirons trouver pour la nuit un abri où le renard ne puisse nous attaquer et où les hommes ne nous attrapent pas, » dit l'un des trois. « Ne serions-nous pas bien ici ?»« Il me semble que oui, » répondit la vache. « Les murs sont en mauvais état, mais ce n'est tout de même pas le renard qui pourrait les traverser. Et la ferme n'est habitée que par une vieille femme, incapable d'attraper qui que ce soit. « Mais qui êtes-vous » continua-t-elle, en se tournant pour essayer de voir les visiteurs. « Je suis Nils Holgersson, de Vestra Vemmenhog, qui a été changé en tonte, » répondit le premier entré. « J'amène avec moi une oie domestique qui me sert de monture et une oie grise. » « C'est la première fois que je reçois de si illustres visiteurs, » dit la vache. « Je vous souhaite la bienvenue, bien que j'eusse certes souhaité plutôt voir arriver ma maîtresse avec mon souper. » Le gamin fit entrer les oies dans l'étable et les plaça dans une crèche vide où elles se rendormirent instantanément. Puis il ramassa pour lui-même une petite couche de paille et se prépara à suivre l'exemple de ses camarades. Il n'en fit pourtant rien, car la pauvre vache, qui n'avait pas eu son souper, ne se tenait pas un instant tranquille. Elle secouait sa chaîne, piétinait dans son box et se plaignait d'avoir faim. Nils, qui ne pouvait fermer l'œil, récapitulait tout ce qui lui était arrivé ces derniers jours. Il pensa à Asa, la petite gardeuse d'oie, et au petit Mats qu'il avait si inopinément rencontré. Il comprenait que la cabane à laquelle il avait mis le feu devait être leur vieille maison de Smaland. Il se rappelait les avoir entendus parler d'une petite maison au bord d'une lande. Asa et Mats étaient venus voir leur ancienne demeure et en arrivant, ils l'avaient trouvée en feu. Nils leur avait certainement causé un grand chagrin. Il en était désolé et résolu, si jamais il redevenait homme, de tâcher de les dédommager autant que possible. Puis ses pensées allèrent aux corneilles et à Fumle Drumle, qu'il avait sauvé, mais qui avait trouvé la mort après avoir été élu chef. Les larmes lui vinrent aux yeux. Oui, il avait souffert ces derniers jours, et c'était une chance que le jar et Fine Duvette l'eussent retrouvé. Le jar avait raconté que les oies sauvages, dès qu'elles se furent aperçues de la disparition de Poussée, avaient interrogé les petits animaux de la forêt sur son sort. Elles avaient ainsi appris qu'une bande de corneilles du Smaland l'avait enlevée. Mais personne ne savait de quel côté les corneilles s'étaient dirigées. Aka avait alors commandé aux oies de se disperser à sa recherche, deux par deux. Après deux jours de quête, qu'on l'eût trouvé ou non, elle leur avait donné rendez-vous au nord-ouest du Smaland, au sommet d'un mont qui ressemblait à une tour démantelée, le Taberg. Après leur avoir fourni des indications précises sur le moyen de trouver cette montagne, Aka leur avait souhaité bonne chance et elles s'étaient séparées. Le jar blanc avait choisi Fine Duvette comme compagne et ils s'étaient mis en route, très inquiets. Errant sans but, ils avaient entendu un merle posé au sommet d'un arbre crier, pester contre quelqu'un qui avait dit s'appeler
volé par les corneilles et qu'il avait bafoué. Le jar et Fine Duvette avaient engagé la conversation avec le merle et avaient appris de quel côté était parti ce volé par les corneilles. Plus loin, ils avaient rencontré un ramier, un sansonnet et enfin un canard sauvage. Tous s'étaient plaints d'un malfaiteur qui avait interrompu leur chant et jeté l'effroi parmi eux, et qui s'appelait « pris par les corneilles, ravi par les corneilles, prisonnier des corneilles ». C'est ainsi qu'ils avaient suivi la trace de poussée jusqu'à la lande dans le canton de Sonnerbeau. Dès que le jar et Fine Duvette eurent retrouvé poussée, ils s'étaient mis en route vers le Taberg pour rejoindre les oies sauvages. C'était un long vol et la nuit les avait surpris. Mais demain, quand nous serons auprès des oies, nos ennuis seront finis, pensa Nils en s'enfonçant dans la paille pour avoir chaud. La vache n'avait cessé de s'agiter. Tout à coup, elle adressa la parole au gamin. Il me semble que l'un de vous, en entrant, m'a dit qu'il était un tompte. Si c'est vrai, il doit savoir soigner une vache. Qu'est-ce qu'il te manque ? Demanda Nils. Il me manque toutes sortes de choses, dit la vache. On ne m'a pas traite ni étriée, ma litière n'est pas faite et l'on ne m'a pas apporté mon fourrage du soir. Ma maîtresse est venue un moment au crépuscule pour me soigner, mais elle s'est sentie si malade qu'elle est repartie. Puis elle n'est plus revenue. Je regrette d'être si petit et si faible, dit le gamin. Je ne crois pas que je puisse t'aider. Tu ne me feras pas croire que tu es faible, bien que tu sois petit, répliqua la vache. Tous les tontes dont j'ai entendu parler étaient si forts qu'ils traînaient tout seuls un chariot de foin et tuaient un bœuf d'un coup de poing. Nils ne put s'empêcher de rire. C'était des lutins d'une autre espèce que moi, dit-il. Tout ce que je puis faire, c'est détacher ta chaîne et t'ouvrir la porte de l'étable. Tu pourras ainsi sortir boire dans la cour. En attendant, je grimperai dans le fenil et j'essaierai de jeter un peu de foin dans ta crèche. Ce serait toujours ça, dit la vache. Nils fit ce qu'il avait dit, et quand la vache fut réinstallée devant sa mangeoire pleine, il pensa pouvoir enfin dormir. Mais à peine se fut-il enfoncé dans la paille que la vache recommença à lui parler. Je t'ennuie probablement, si je te demande encore une chose, fit-elle. Non, si je puis te satisfaire. Je voudrais te prier d'entrer dans la maison en face pour voir comment va la maîtresse. J'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur. C'est impossible, répondit le gamin. Je n'ose me montrer aux hommes. Tu n'as pourtant pas peur d'une vieille femme malade, dit la vache. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'entrer. Tu n'as qu'à regarder par la fente de la porte. Si ce n'est que ça, je ne puis te refuser, consentit enfin le gamin. Il se releva et sortit dans la cour. La nuit était effrayante, sans lune ni étoile, avec le vent qui sifflait et hurlait et la pluie qui ruisselait. Le plus terrible était que 8 hiboux s'alignaient l'un à côté de l'autre sur le faîte de la maison. Leur ululement et leur lamentation sur le temps étaient sinistres, et Nils se disait que c'en était fait de lui si un seul d'entre eux le découvrait. « Malheur à qui est petit !» soupira le gamin en se risquant dehors. Il ne se trompait pas. Deux fois, le vent le renversa avant qu'il n'atteignît la maison, et il fut précipité dans une flaque d'eau si profonde qu'il manqua se noyer. Il arriva pourtant au but. Il grimpa quelques marches, escalada péniblement le seuil et entra dans le vestibule. La porte de la cuisine était close, mais un coin du bas était percé d'un trou pour donner passage au chat de la maison. Nils n'eut donc aucune peine à regarder dans la pièce. À peine y eut-il jeté un coup d'œil qu'il tressaillit et retira brusquement la tête. Une vieille femme en cheveux gris était étendue par terre. Elle ne bougeait ni ne gémissait. Son visage luisait, étrangement blanc. On l'eût dit éclairé par la pâle lueur d'une lune invisible. Nils se rappela que son grand-père, quand il était mort, avait le visage de cette blancheur étrange. Et il comprit que la vieille femme étendue là, sur le plancher, était morte. La mort avait dû la surprendre avant qu'elle n'eût eu le temps de se coucher dans son lit.
Il eut terriblement peur à l'idée de se trouver seul dans la nuit avec une morte. Il descendit précipitamment le perron et retourna à la grange en courant éperdument. Il raconta à la vache ce qu'il avait vu dans la maison. Elle cessa de manger. « Ah, elle est morte, la maîtresse, » soupira-t-elle. « Alors, ce sera bientôt mon tour. » « Il y aura toujours quelqu'un qui s'occupera de toi, » dit Nils en essayant de la consoler. « Tu ne sais pas, » répliqua la vache, « que j'ai déjà deux fois l'âge des vaches que l'on abat. D'ailleurs, je ne tiens plus à la vie, maintenant que ma vieille maîtresse ne viendra plus me soigner. » Elle se tut un instant, mais Nils s'aperçut qu'elle ne dormait ni ne mangeait. Elle ne tarda pas à reprendre la conversation. « Elle est couchée sur le plancher nu, dis-tu ?»« Oui, » répondit Nils. « Elle avait l'habitude de venir souvent ici dans l'étable, me parler de ce qui la chagrinait. Je comprenais bien ce qu'elle disait, quoique je ne fusse pas capable de lui répondre. Ces jours-ci, elle parlait de sa peur d'être seule quand elle mourrait. Elle redoutait que personne ne vînt lui fermer les yeux, ni croiser ses mains sur sa poitrine lorsqu'elle serait morte. « Peut-être voudras-tu le faire ?» Nils hésita. Quand son grand-père était mort, il se rappelait que la mère avait eu grand soin de le placer convenablement. Il savait que c'était une chose qu'il fallait faire. Toutefois, il se sentait incapable d'entrer de nouveau près de la morte. Il ne dit donc ni oui ni non, mais ne fit pas un seul pas vers la porte. Un moment, la vieille vache demeura silencieuse, comme attendant une réponse. N'entendant rien, elle ne répéta pas sa demande, mais commença à parler de sa maîtresse. Elle avait beaucoup à dire. D'abord, elle parla de tous les enfants que la morte avait élevés. Ils venaient dans l'étable tous les jours, et en été, menaient paître le bétail dans le marais et les pâturages, de sorte que la vieille vache les connaissait bien. Ils avaient été très bien tous, et gais travailleurs. Une vache sait ce que valent ses gardiens. Elle avait aussi une foule de choses à raconter concernant la ferme. Le domaine n'avait pas toujours été aussi pauvre qu'à présent. Il possédait des terres vastes, la plupart se composaient de marais, de bois et de prés pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de champs où cultiver le blé, mais partout de bons pâturages. Elle avait connu un temps où aucune crèche n'était vide et où l'étable à bœufs, maintenant abandonnée, avait été remplie de bêtes magnifiques. La gaieté et l'entrain régnaient partout. Lorsque la maîtresse venait à l'étable, elle fredonnait et chantait, et toutes les vaches beuglaient de joie en l'entendant venir. Mais le maître mourut, pendant que les enfants étaient encore petits et ne pouvaient être utiles à rien. Et la brave femme avait dû se charger de la ferme, de toute la besogne et de tous les soucis. Elle avait été forte comme un homme et avait labouré et moissonné. Le soir, en venant traire les vaches, elle était parfois si fatiguée qu'elle pleurait. Mais il lui suffisait de penser à ses enfants pour reprendre courage. D'un mouvement brusque et insouciant, elle essuyait ses larmes, secouait le sommeil et murmurait « Tant pis, j'aurai du bon temps moi aussi, quand les enfants seront grands. Ah, quand ils seront grands !» Mais quand les enfants eurent grandi, voilà qu'une étrange nostalgie s'empara d'eux. Ils ne voulaient pas rester à la maison. Ils voulaient aller à l'étranger. Leur mère ne reçut jamais d'eux aucun secours. Quelques-uns des enfants s'étaient mariés avant de partir. Ils laissaient leur bébé à la maison. C'était maintenant ces enfants-là qui suivaient notre maîtresse dans l'étable, comme jadis ses propres enfants. Ils menaient paître les vaches et devinrent eux aussi des gens braves et capables. Et le soir, en s'endormant presque de fatigue pendant qu'elle traillait les vaches, notre maîtresse reprenait des forces en pensant à eux. « J'aurai du bon temps moi aussi, » disait-elle en se secouant, « lorsqu'ils seront grands. » Mais voilà que ces enfants, une fois grands, rejoignirent leurs parents dans le pays étranger. Personne ne revint, personne ne resta. La vieille maîtresse demeura seule à la ferme. Elle n'avait jamais prié aucun d'eux de rester à la maison. « Penses-tu, Larousse, que je leur demanderai de demeurer près de moi, quand ils peuvent faire leur chemin là-bas » disait-elle à la vieille vache. « Ici, en Smaland, ils ne peuvent espérer que la pauvreté. » Mais lorsque le dernier de ses petits-enfants fut parti, notre maîtresse s'affaissa. Elle parut tout à coup
voûtée et blanchie. Elle chancelait comme si elle ne pouvait plus marcher et elle cessa de travailler. Elle ne soignait plus la ferme, elle laissait les maisons se délabrer, elle vendait le bétail, ne gardant que sa plus vieille vache. Elle la laissait vivre parce que tous ses enfants l'avaient tour à tour menée paître. Elle aurait pu prendre à son service des valets et des filles de ferme, mais elle ne souffrait pas de voir des étrangers autour d'elle lorsque les siens l'avaient abandonnée. Qu'importait que la ferme tombât en ruine, puisqu'aucun des enfants ne la prendrait après elle. Les enfants écrivaient souvent et la suppliaient de venir les rejoindre, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas voir le pays qui les lui avait pris. Elle ne pensait qu'aux enfants et qu'ils avaient dû partir pour trouver à gagner leur pain. Quand l'été venait, elle conduisait la vache au pâturage dans le grand marais. Elle restait elle-même assise toute la journée au bord du marais, les mains croisées sur ses genoux. Et en rentrant, elle résumait ainsi ses pensées. « Vois-tu, Larousse, s'il y avait eu ici des champs fertiles à la place de ce grand marais que l'on ne peut cultiver, il n'aurait pas eu besoin de partir. » Elle était en colère contre le marais, qui s'étendait si loin et qui ne servait à rien. Elle murmurait contre lui, l'accusant d'être cause que les enfants l'avaient abandonné. Ce dernier soir, elle avait paru plus tremblante et plus faible que jamais. Elle n'avait même pas pu achever de traire Larousse. Un moment, elle était restée appuyée contre la crèche et avait parlé de deux paysans qui étaient venus la voir pour demander à acheter le marais. Ils pensaient le dessécher, y semer et y faire des récoltes. « Tu entends, Larousse, tu entends ?» Ils ont dit qu'il peut pousser du seigle sur le marais. « Je vais écrire sur le champ aux enfants pour qu'ils reviennent. Ils n'ont plus besoin de rester à l'étranger. Ils trouveront leur pain ici, à la maison. » C'est pour écrire qu'elle était rentrée dans la maison. Le gamin n'écoutait plus ce que racontait la vieille vache. Il avait ouvert la porte de l'étable et s'était rendu dans la maison près de la morte. Il resta d'abord un moment sur le seuil, à tout considérer. La maison n'était pas aussi pauvre qu'il avait cru. Il y avait un grand nombre de ces objets qu'on trouve en général chez ceux qui ont des parents en Amérique. Dans un coin, il y avait un rocking chair américain. La table devant la fenêtre était couverte d'un tapis de peluche. Une belle courtepointe était jetée sur le lit. Au mur, pendaient les photographies des enfants et des petits-enfants en de beaux cadres dorés. Sur le coffre, s'étalaient de grands vases et une paire de flambeaux avec de grosses bougies de couleur. Nils chercha une allumette et alluma ses bougies, non parce qu'il n'y voyait pas, mais parce que cela lui sembla une manière d'honorer la morte. Puis il s'approcha d'elle, lui ferma les paupières, lui croisa les bras sur la poitrine et écarta de son front les mèches clairsemées de cheveux blancs. Il ne pensait même pas à avoir peur d'elle. L'idée qu'elle avait vécu une vieillesse solitaire et triste l'affligeait profondément. Il veillerait du moins auprès du corps cette nuit. Il trouva le psautier, s'assit et se mit à lire à mi-voix. Mais au milieu de sa lecture, il s'arrêta, car il lui arriva tout à coup de penser à son père et à sa mère. Les parents peuvent donc soupirer tant que cela après leurs enfants. La vie peut donc leur sembler finie lorsque les enfants sont partis. Si chez lui, son père et sa mère le regrettaient autant que cette vieille femme avait regretté ses enfants à elle, cette pensée le rendit heureux, mais il n'osa s'y attarder. Il ne s'était point conduit de façon à être regretté de qui que ce fût. Mais ce qu'il n'avait pas été, il pouvait peut-être le devenir. Tout autour de lui, il voyait les portraits des absents. C'étaient de grands hommes vigoureux et des femmes au visage grave. C'étaient des mariés en long voile et des messieurs en habits de ville. Et c'étaient des enfants aux cheveux frisés, en belles robes blanches. Et il semblait à Nils que tous, ils regardaient fixement dans l'air avec des yeux aveugles qu'ils ne voulaient pas voir. « Pauvres gens !» dit Nils au portrait. « Votre mère est morte. Vous ne pouvez vous racheter d'être parti loin d'elle. » « Mais ma mère à moi, elle vit !» Il s'interrompit, hocha la tête et sourit. « Ma mère vit » répéta-t-il. « Mon père et ma mère vivent tous les deux !»
bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur le merveilleux voyage. On a lu que 3 chapitres parce que c'était long et je voulais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, surtout que je vous avouerai que des fois le fait de lire à voix haute, ça me berce. Donc je me suis un peu je commençais un peu à sérieusement piquer du nez. J'espère que ça s'est pas trop entendu et du coup je suis allée me foutre sur le canapé parce que c'était trop de fatigue. Non, mais je sais pas pourquoi. Des fois, ça me berce comme ça et peut-être le fait de me raconter à moi-même aussi une histoire, c'est bizarre. Ou je paye le fait d'avoir un rythme de sommeil qui est un petit peu foireux, beaucoup. Bref, nous avons lu 3 chapitres. Donc, on a lu les chapitres 14, 15 et 16. Pour ceux qui notent sur Goodreads et compagnie, là on arrive à 49% du livre et le prochain chapitre, ça sera le 17 sur 36. Donc on est à 49%. Je reviens un petit peu en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a lu. La saga du Smaland, c'était Nils qui se rappelle de ses deux amis, entre guillemets, Asa, la gardeuse d'oie, et son petit frère Mats. Et Mats lui racontait l'histoire de... la fabrication, enfin de la création du Smaland. Et j'ai trouvé ça bien, l'espèce de rapport entre le Smaland et la Scanie qui sont des régions qui sont complètement différentes, avec la Scanie qui a l'air d'être plutôt pleine de prés, plutôt riche, etc. Et le Smaland qui a l'air au contraire vraiment bien pauvre et des habitations beaucoup plus précaires, etc. Peut-être sans doute aussi c'est frontalier à la mer, donc un temps plus rigoureux. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, c'est une légende qui est bien trempée dans le christianisme, parce qu'on a le Seigneur, et, bon, donc on a Dieu et Saint-Pierre. Question d'ailleurs, cette légende-là, je l'ai aimée, mais là on est sur la création du monde, entre guillemets. Saint-Pierre, c'était pas un contemporain de Jésus. Donc Jésus, il est né avant le Smaland. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait un peu comme une espèce de... comment dire, d'anachronisme au niveau de la légende. Du coup, j'ai un peu bugué là-dessus, ça m'avait fait rire. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, la manière dont tous les paysages sont décrits, bon, ça fait très guide touristique, hein, je trouve. C'est le but de ce livre, rappelons-le. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Ensuite, on avait les corneilles. Donc, les corneilles qui sont emmerdées avec la cruche de grès qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Une histoire de succession, en quelque sorte, parce que Fumle, Drumle, bon, j'ai fait suédois deuxième langue. La corneille à la plume blanche qui devrait être le chef mais qui a été destitué, qui est bon, qui est courageux mais qui est maladroit. Attendez, on avait une note sur Fumle Drumle. Fumla Drumla, s'y prendre maladroitement, agir en lourdeau. Oui, donc on est à fond en fait dans ce qu'est le personnage de Fumle Drumle. Je me demandais un moment si c'était pas une description un peu caricaturale d'un roi ou d'un seigneur, ce que je me suis dit pourquoi pas, hein. On sait pas trop, mais bon, c'est pas précisé donc on n'en sait rien. Donc le renard là, Smir, il lâche pas l'affaire, hein. Il lâche pas l'affaire du tout. Et j'ai trouvé ça assez sympa aussi. En fait, il va devenir pote avec tous les oiseaux, sauf que là, entre guillemets, par sa faute, leur nouveau chef qui venait juste d'être élu a de nouveau été tué. Ce qui fait que il faut qu'ils trouvent un autre chef. La rafale, il est mort, donc c'était le méchant chef, mais la bourrasque, elle est encore vivante. Donc, est-ce qu'on va encore voir les corneilles? Je sais pas. Et au début, en fait, je vous avouerai que pour le chapitre sur la vieille paysanne, je me suis dit, oula, si on finit vraiment sur un truc bien plombant, comme quoi il s'occupe du corps de la paysanne qui a été abandonnée et compagnie par les siens, et qu'on reste sur un truc un peu plombant comme ça, sur la mort, je me suis dit, bon, ouais, je vais enchaîner avec le chapitre suivant.
Et en fait, je trouve, enfin, c'était vraiment une histoire touchante, cet abandon, entre guillemets, le fait qu'elle est attachée à sa terre, qu'elle a tenu un peu jusqu'au bout, puis bon, bah, qu'elle meurt complètement isolée. Mais alors, la conclusion, pauvre Jean, dit Nils au portrait, votre mère est morte, vous ne pouvez vous racheter d'être parti loin d'elle, mais ma mère à moi, elle vit. Ma mère vit, répéta-t-il. Mon père et ma mère vivent tous les deux. Qu'est-ce qu'il évolue, ce gamin? Il évolue quand même vachement. Et ah oui, j'ai vu un tilt parce que à chaque entrée de chapitre, en fait, on a une date. Donc là, on est mi-avril et au tout premier chapitre, on est en mars. En fait, ça fait même pas un mois qu'il est parti. Ah oui, non, j'avais un peu bugué par rapport à un livre que j'ai présenté mercredi dans le 7 jours, 7 livres à 2 mois près, où il y a un gamin qui fugue, entre guillemets, qui se fait embaucher sur le navire du capitaine Cook, sauf que le gamin, il est embauché à 11 ans, il met 3 ans à revenir en Angleterre, parce que le capitaine Cook est parti sur Il est parti sur un voyage d'exploration dans le but de découvrir l'Australie. Donc il savait, entre guillemets, qu'il y avait probablement un continent par là parce que la Nouvelle-Zélande avait été découverte, etc. Mais ce gamin-là, il a mis 3 ans à rentrer. Donc on n'est pas sur les un peu plus de 3 semaines de Nils. Et puis il était plus jeune. Donc j'aime toujours autant. Moi, j'aime bien ce gamin. J'aime vraiment bien ce gamin. Et là, le fait qu'on retombe aussi sur Asa, la gardeuse d'oie, et Matt, son petit frère, parce que Nils, il a fait cramer leur maison avant de se réfugier chez la vieille femme, je suis en train de me demander, je pense qu'on va les revoir, peut-être quand il va rentrer chez lui, parce que j'ai l'impression que c'est une saison en gros. Ils partent juste pour le printemps, ils vont peut-être revenir en été, les oies, à l'endroit où vivait Nils. Ce qui veut dire que peut-être qu'en été, ces enfants-là, Asa et Mats, vont se retrouver là-bas. Et je suis presque en train de shipper en fait Nils. Parce que le Nils, il a évolué vachement rapidement, je trouve. Et c'est plus ce mauvais garçon, entre guillemets, qu'il était au tout début. Donc je me dis que peut-être là, bon, ça c'est un jeune gamin, hein, mais peut-être que en arrivant, en retournant chez lui, bah, peut-être qu'il va finir par se dire, je vais peut-être me marier avec Asa. Je sais pas si ça se dit Asa. Je suis en train de vérifier en fait qu'on est. Ah ouais, non, c'est du 6 mois. C'est un voyage de 6 mois que fait Nils. J'ai triché. Comme ça, vous aurez juste ça, les 6 mois. Je m'arrête là parce que je sais plus trop quoi en dire. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite de ce voyage et à quel point il va encore évoluer, ce gamin-là. Et je trouve ça vraiment chouette. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être aussi, parce que là on est sur une espèce de fantaisie animalière, avant l'heure, entre guillemets, un peu dans le prolongement de ce qui pouvait se faire au Moyen-Âge, etc., avec les animaux qui parlaient. Et j'aimerais qu'il y ait plus de fantastique, enfin de fantaisie dans le sens où qu'il y ait plus de tombes, par exemple, ou qu'il rencontre des trolls ou des créatures de la mythologie de là-bas, quoi, de nordique ou scandinave, enfin, du folklore. Ça me manque un peu par rapport, par exemple, à. Je crois que c'était chez Andersen où il y avait pas mal de trucs de genre. Donc je m'arrête là. J'espère que ça vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à me le dire et passez un très bon samedi. À demain pour ceux qui me suivent sur Orgueil et Préjugés, ça sera sûrement sur l'avant-dernier vlog lecture. Et ça y est, j'ai pris ma décision. Après Orgueil et Préjugés, on va attaquer le fantôme de l'opéra. Je reste aussi sur ce que j'ai dit sur le lundi, ça va devenir plus occasionnel entre guillemets. Je pense que je vais faire une pause pour le lundi là, il n'y aura pas de vidéo. Ou s'il y a une vidéo, c'est parce que je ferai un update lecture sur les recueils de poèmes qui sont au bac de français. Donc on avait celui que j'ai lu en tout premier, les carnets de Douai de Rimbaud. Il y a Forêt d'Hélène Dorion que j'ai lu.
J'arrive pas à finir le Francis Ponge, que je trouve un peu chiant, honnêtement. Mais du coup, j'aimerais bien finir le Francis Ponge, et comme ça, je peux faire un objet de lecture poésie, et je me sens pas du tout à l'aise pour faire ça. Mais ce serait juste de dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, vous donner quelques citations, gnagnagnagna. Pas d'analyse, parce que je suis incapable de le faire. Passez un très bon samedi. À bientôt.